c'est le paysage en général. Ce que je trouve intéressant dans le paysage, c'est qu'il me semble qu'on s'en est jamais préoccupé. J'ai l'impression que la nature, ce qu'on appelle la nature, mais je trouve qu'on devrait dire plutôt le monde vivant, parce que quand on parle de nature, on a l'impression d'en être éloigné, que c'est en dehors de nous. Or, le monde vivant, évidemment, on en fait partie. Et c'est ce monde vivant-là qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est d'essayer de montrer que le monde vivant existe comme une alternité, comme quelque chose qui est en dehors de nous, qu'il a une intériorité. Il a quelque chose à nous offrir. Souvent, quand on peint les paysages, la nature, elle est toujours là comme une toile de fond, comme un décor. Et oui, sans intérêt. Ou alors, dans les tableaux romantiques, elle est là pour représenter une émotion humaine. Et donc, elle n'est pas là en soi pour la nature, elle est là simplement pour parler de ce que nous sommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la nature pour ce qu'elle est. Il y a une énergie dans la nature, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir, et pour ça, il faut s'y rapprocher. Et paradoxalement, je pense que l'art permet ce rapprochement. Par l'art, à travers les tableaux, ou la musique, etc., mais enfin, c'est pas mon domaine, mais à travers les tableaux, il y a moyen de retrouver une certaine vérité de la nature. Donc ça vaut tout de même la peine de peindre, et c'est pour ça que je peins.